Soyez les bienvenus dans notre hôtel. Le sourire est de mise. On porte les valises, on cire les chaussures, on remplit votre feuille d'impôt. Il serait peut-être temps de prendre des initiatives. Accrochez-moi cet écriteau hors service sur l'ascenseur. Ciao. Oh là là. Oh que c'est profond. Ah, est-ce que vous allez être sérieux un jour, hein? Bonjour, je m'appelle le 1, Attila le 1. Lutteur exceptionnel, je suppose que j'ai une chambre de réservée. Il faut que je me repose parce que j'ai un match très difficile ce soir. Veillez à ce qu'on ne me dérange pas. Ça me fait beaucoup de peine que vous ne m'ayez pas empêché de tomber dans ce gouffre. Il ne faudrait pas que ça se renouvelle. Coucou. Hein? Ah, vous êtes là, mon brave. Vous voulez bien vous occuper de mes bagages? Voilà. Oh, ben ça, alors, ce que c'est beau, l'efficacité. Oh, ma chère Madame Grippe-Billet. Madame Grippe-Billet veut acheter l'hôtel, oui. Elle est prête à payer une véritable fortune. Alors, prenez bien soin d'elle pendant son séjour, ou vous serez renvoyé. Oui, je serai renvoyé. Attendez une petite seconde. Je vais me repoudrer le nez. Allez, j'en reviens. Allons pas par la sauce. À sauce. Oh là là. Oh, et puis tant pis. Ah, attends. Pense bête pour moi. Ne plus jamais faire ça. Chambre 7002, ça y est, nous y sommes. Oh non, c'est la chambre d'Attila, le 1. Oh, ce n'est pas votre chambre, chère madame. Vous m'avez encore fait de la peine, mon petit gars. Si je n'arrive pas à dormir, je deviens très agressif. Oui, monsieur. Vous ne voulez pas que je devienne trop agressif? Non, mais je suis venu pour prendre quelque chose. Permettez-moi. Pas mal, cette piscine, mais un peu trop étroite du bassin. Et elle est terriblement proche du jeu de boulines. Voilà votre chambre, chère madame Grippe-Billet. Oh, je vous en prie, appelez-moi grand-mère. Entendu, grand-mère. Grand-mère? Hein? Salaud, mais que le buffet! Ah, ben où est-ce que je peux m'asseoir? Ne, mais attendez, chère madame, ce n'est pas à vous, ça. Oh, bon, alors, mon petit gars, mais lâchez ça, j'en fous. Oh, c'est formidable. Mon repas est arrivé plus tôt que prévu. Qui a volé mon repas? Je vais me prendre un petit dessert, maintenant. Bonjour, monsieur Attila. Quelle chance! J'adore une bonne polka. C'est une très belle chambre, grand-mère. Il vaut mieux rester ici, voyez-vous. Il y a un balcon, la télévision, le câble. Et en plus, il y a de quoi faire ma gymnastique tous les matins. Ça, c'est une bonne idée. Amusante petite chose, non? Vous savez que ça a été ma spécialité quand j'avais 20 printemps. Aïe. Hop là. Oh là là. Quoi? Je ne suis pas sûr de bien aimer ça, moi. Service des étages. Entrez.
Je n'ai rien commandé. Oh non, madame. Attention, il va. Non mais arrêtez. Dada, attendez. Ma patience a des limites. L'air conditionné ne semble pas très bien réglé. Essayez de comprendre, mon petit gars, qu'il faut absolument que je me repose avant mon combat. C'est très important. Comment un combat? Je savais pas que vous combattiez à vos moments perdus. Ah, mais pas moi. Mais ça, c'est une idée fantastique, chère madame. Je préfère me battre contre cette demi-portion plutôt que Billy la Tornade. Alors, c'est réglé. Je veux vous voir sur le ring ce soir et en tenue. Et j'espère que je vais avoir le temps de me faire une beauté. Voilà. Billy la Tornade va être bien déçu. Mais je sens que tous les deux, on va bien s'amuser ce soir, mon petit gars. Mesdames et messieurs, place à notre combat vedette. Il est vicieux, il est sournois, il est monstrueux. C'est Attila le Hun. Et dans l'autre coin, il est agile, il est fragile. Voici le démolisseur rose. Un peu de pop-corn, grand-mère. Non, quoi? Bah, où il est passé le soi-disant démolisseur rose? Regardez, regardez, je vous ai trouvé des pop-corn, ça y est. Est-ce que c'est à ce moment-là que je me mets en colère? Vous descendez. Attention, la fête n'est pas encore terminée. Très franchement, moi je crois que si. Je vous renverrai l'ascenseur. Vous m'avez l'air très satisfait, madame Grippe-Billet. Absolument. Et ça grâce à votre personne. Oh, excellente nouvelle. Alors, vous allez acheter mon superbe hôtel? Ah, ça non, pas question, mon grand. Je viens de m'acheter le stade. C'est 1000 fois plus intéressant. Ah, bien entendu. Alors, vous êtes renvoyé. Vous venez, le démolisseur. Nous avons du pain sur la planche maintenant. Avec joie, grand-mère.